verra ça. Il va un paquet comme ça. Hein ? Alors Guy Fréclin, après deux excursions mondiales dont on connaît le résultat pour Citroën, le championnat de France reprend ses droits ici à l'Alsace. C'est vrai que c'est la deuxième participation du championnat de France après deux participations au championnat du monde. Ça fait donc quatre victoires depuis le début de la saison et sept au total d'affilée avec les trois de la fin de saison l'année dernière. Mais je crois que c'est le fruit du travail de toute l'équipe de Citroën Sport qui a énormément travaillé d'abord l'année dernière. C'était une voiture qui était neuve et qui avait besoin de développement et puis qui a beaucoup travaillé aussi en intersaison cet hiver. Et je crois que c'est le fruit de tout ce travail qui a vraiment payé et qui nous a permis d'abord de gagner le rallye Lyon-Charbonnières, puis les deux rallyes de championnat du monde. Et ce rallye qui, contrairement aux apparences, qui peut paraître relativement facile, une victoire qui peut peut-être paraître relativement facile ce soir, a été, je pense, une victoire très difficile, parce qu'un rallye très difficile, de par la météo d'abord, qui ce matin était quand même très capricieuse avec des routes très humides, il y a eu beaucoup de sorties de route, beaucoup de crevaisons, et il a fallu que Philippe et Jean-Paul fassent très attention à tous ces pièges tout au long de la journée, et déjà hier. Le rallye d'Alsace a toujours été un rallye très difficile, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de victoire facile. Il est bien évident qu'après l'abandon de Marc Champeau, malheureusement pour lui, ça a été plus facile, c'est vrai, mais jusque-là, ça a été très difficile et on n'avait pas énormément d'avance.